Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Non mais aujourd'hui, si on a des blessés, il y a des joueurs qui sont là, qui vont prendre la place d'autres et avec des caractéristiques différentes. Il faut qu'on s'adapte. C'est à eux de montrer leur qualité. Ils l'ont fait pendant les matchs amicaux. Voilà. À eux d'être présents et de répondre présent. C'est comme ça. Quand tu as ta chance, il faut la saisir. Hein. Il faut montrer ses qualités. Hein. Mais sinon, il faut qu'on aille recruter des joueurs. Non. Voilà. Et ils sont là. Ils font partie d'effectifs. Hein. Ils s'entraînent tous les jours avec nous. À eux de montrer leur qualité. Et c'est toujours urgent quand tu ne gagnes pas. C'est urgent de gagner. C'est, oui, bien sûr qu'il faut qu'on ait envie de renouer avec la victoire à domicile. Voilà, il faut qu'on montre notre visage, qu'on montre nos qualités et qu'on ait envie de marquer un but de plus déjà qu'adversaire. Ou alors il faut qu'on en marque un et qu'on fasse comme l'an dernier contre Rennes. Qu'on défende bien, collectivement, qu'on soit imperméable. Parce qu'on a pris un but sur tous les matchs, on a toujours pris des buts. Quand tu prends des buts, il y a toujours des fautifs. Il y a toujours des fautes. Mais là, on a mal défendu, c'est tout. Je veux pas analyser la faute de qui. Non. On s'est dit les choses, les joueurs ils l'ont vu. Hein, on essaie de corriger tout le temps. Et actuellement, on n'arrive pas à finir un match sans. Dès qu'il y a une perte de balle ou on se fait transpercer, il y a toujours du danger. Coup de pied arrêté, il y a du danger. Voilà. Mais il faut qu'on soit solide, il faut qu'on soit plus serein, il faut qu'on défende mieux, qu'on lise mieux le jeu et qu'on soit bien positionné. Pour pouvoir intervenir. Les jeux de position quand on attaque sont importants, quand les jeux de position défensives sont très importants aussi. Voilà. On voit les matchs à la télé aussi, on voit hier soir, il y a beaucoup d'erreurs aussi, des grandes équipes, hein. Il y en a qui font des erreurs aussi. Hein. Le football aujourd'hui, on aime attaquer mais on aime moins défendre. Quand tu es défenseur, on a beau jouer en zone, mais quand tu arrives dans tes 16 mètres, t'es pas à 3 mètres du mec, t'es au marquage. Si à 3 mètres du mec, le mec il met un bon centre, le ballon il arrive sur lui, t'es pas là. Il faut être. T'es au marquage, tu vas être au marquage. Tu peux pas dire. On joue en zone. Si on laisse les joueurs entre chaque fois nos défenseurs axiaux et qu'on est à 3 mètres 2, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à jouer. Non, mais il a fait deux bonnes prestations. À mon goût, à moi, je trouvais qu'il a très bien défendu, à part sur le but, le deuxième but qu'on prend à Strasbourg. Il est pas au marquage. Mais les gars, on a fait quand même une première mi-temps de grande qualité. C'est qu'on est en capacité de faire des bonnes choses. Après, c'est sur la durée d'un match qu'on a du mal à être performant sur la durée d'un match. Mais on a fait quand même une première mi-temps de bonne qualité. On peut être à 3-0 aussi à la mi-temps, pour nous. Si on les met dedans, mais... Après, il faut qu'on soit en capacité quand même de mieux défendre et pas subir des vagues qu'on a subies, quoi. Que ce soit à travers notre possession du ballon, parce qu'on a récupéré beaucoup de ballons aussi, et on les rendait de suite. Voilà, il faut qu'on soit en capacité de reproduire des prestations comme la première mi-temps, mais tout un match. Non, on n'a pas reculé. C'est l'adversaire qui te fait reculer.
Quand tu perds les ballons à mi-terrain ou dans tes 30 derniers mètres, que l'adversaire vient t'harceler plus haut, tu t'es en danger parce que c'est eux qui récupèrent les ballons, qui peuvent mettre, en l'occurrence, ils ont mis des bons centres et ils nous ont punis comme ça. On savait qu'ils avaient du gabarit, qu'ils avaient des joueurs de tête qui étaient intéressantes. Et il faut qu'on soit près des centreurs pour pouvoir les contrer, pour les empêcher de donner des bons ballons. Il faut être au marquage. Voilà. Mais c'est l'adversaire qui t'oblige aussi. C'est pas que toi qui recules. C'est... Après, il y a de la fatigue pour certains, il y a des baisses physiques pour certains. Ouais, donc finalement, à ce moment-là, il faut accepter de subir par moment, mais il faut être... Mais tu peux subir. L'an dernier, quand on a joué contre Rennes, on a subi, on a joué 1h15 à 10. On a subi, mais on était compact, on leur laissait pas d'espace, on a défendu très très bas, mais on l'a défendu. On était au marquage, sur les centres, on a intercepté beaucoup de ballons, on les a fait déjouer aussi. Il faut savoir faire déjouer l'adversaire aussi. Tu peux défendre bas et pas prendre de but. Ça, c'est un acte collectif et individuel. Mais non, mais moi j'aime bien quand on joue vers l'avant, qu'on a envie d'aller marquer des buts, qu'on amène du monde devant le but. C'est comme ça qu'on va marquer des buts. Voilà, trouver des décalages et amener de... En première mi-temps, quand on a accompagné, qu'on était au retombé de ballon, récupérer les ballons, on pouvait remettre du temps de jeu. Voilà. Quand tu attaques, il faut que tout le monde soit dans le camp adverse. Et tout en étant bien positionné pour récupérer les renvois, les adversaires. Hein. C'est une très bonne équipe et un effectif de grande qualité. Ouais, tous les postes sont doublés, triplés pour certains. Voilà. Ils ont des très bons jeunes, ils sortent des très bons jeunes aussi. Il y a de la qualité. Ouais. Un peu grippé dans le début de saison. Mais à l'extérieur, ils sont comme l'an dernier, ils ont un peu de mal. J'espère que ça va continuer dimanche qu'on va les bousculer.